passer à la maison. Bah ouais, vas-y, nous. Eh bah allez, on y va. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant que la vidéo ne commence, je vous invite à mettre un like, un commentaire et faites-vous plaisir, abonnez-vous. Le recyclage, c'est important. Bienvenue à la maison. Allez, venez avec moi. Bienvenue dans 30 mètres carrés de plaisir. Alors évidemment, 30 mètres carrés de plaisir dit un énorme salon. On n'est pas déçus, franchement, ça me fait plaisir. Là, évidemment, on a une petite... une sacrée connerie, là. Les anciens locataires avaient mis cette petite merde. Mais il est très beau, le chat, hein. Mais juste, c'est chiant. La décoration, c'est chiant. Parce que regardez-moi ça, tout en bois. Un très beau salon. Une belle table. Bon, celle-là, je vous cache pas, on va la changer. C'est du bois, mais quand ça tient pas, je peux vous dire que ça fait ce bruit. Voilà, pas mal. On a un joli canapé, extrêmement déglingué. Si je vous le montre, c'est l'apocalypse. Ici, nous avons une belle table basse, d'ailleurs achetée pas trop cher. Le meuble de salon aussi, avec une petite télé qu'on va changer pour la Coupe du Monde. En mettant une très grosse, forcément. Non, franchement, on est bien. Un très beau salon. Je pense que c'est la meilleure pièce de cette maison, je pense. On a quelques meubles qui traînent un peu par-ci, par-là. Une boîte pour les clés, très important, le meuble pour les chaussures. Une petite litière parce que oui, figurez-vous, on a un animal, on a un chat, mais pas un chat normal, non, il est extrêmement teubé celui-là. Alors je peux vous dire que quand les chiottes sont en panne, je vous laisse deviner où on va. J'ai oublié de vous dire, on a des plantes vertes. Effectivement, on a quelques petites plantes vertes bien sympathiques, des petites décorations, et merde. Ça, je l'ai pas vu. Allez, allez. Putain, mais y'a rien qui tient dans cette baraque aussi. Ah, mais c'est pas vrai. Bricoleur à ses temps perdus. Exactement, mais bricoleur du dimanche aussi. On a la cuisine, une cuisine vintage avec de très belles couleurs, de belles décorations. Je pense que là, ça vous réveille les papilles. Le goût est présent là. On a beaucoup d'épices, énormément d'épices, trop d'épices, vraiment trop d'épices. On a une cafetière. Faire du café, c'est logique. On a une belle cuisine, bon forcément, elle est à changer. Et d'ailleurs, ce soir c'est chibot. On va bien manger encore. On a une très belle cuisine, vintage. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est très important. Et la cuisine, c'est nous. Shit. Le cellier. Bon, comme tout le monde, hein, je pense que vous avez un cellier. Machine à laver, sèche-linge, deux frigos, deux congèles. Bon, un cellier, quoi. Bon, après, je vous épargne pas les toilettes. C'est les toilettes, quoi. On va éviter d'y aller. L'odeur, vous connaissez, forcément. Si vous êtes fan de sport, ça va vous faire plaisir. Il y a énormément d'escaliers. Allons-y. Si vous êtes trop carré, vous passez pas. Tellement les murs sont petits. Bon, là, ici, on a un petit couloir, mais vraiment petit. Mais on passe tranquille. On a un énorme miroir qui est magnifique, d'ailleurs. On a une belle douche, d'ailleurs, qu'on va aussi changer. On est bien, la belle déco aussi, c'est blanc quoi. Une douche d'hôpital. Vas-y, toi du coup là. T'as vu? Allez. T'as vu ou pas? Non. C'est mais lui, il l'a vu par contre. La meilleure pièce de cette maison, je pense, l'une des meilleures, qui est la chambre, une très belle chambre aussi.
Tout a été refait par nos soins, par madame surtout. On est bien. Du rouge, du gris, bientôt énormément de LED. Non, franchement, on est très bien. Bienvenue à la campagne. Tu veux pas faire voir ton balcon de merde? Le balcon, allez, pourquoi pas, passons. Alors là, c'est le balcon de chez Wish, vraiment. Bon, j'arriverai pas à l'ouvrir, là. Ouais, non, c'est chiant, en plus, faut déclipser des trucs. Non, franchement, le balcon, il est bien. Enfin, il est bien. Si vous voulez vous suicider, quoi. Mais bon, allez, je tente, hein. Non, franchement, c'est bien. Mais bon, ça tient pas, quoi. C'est du poids. Bon, après, si vous voulez prendre l'air, hein, libre à vous. Tu te sens grand? Ben, c'est une maison, quoi. 70 mètres carrés, plus de 70 mètres carrés. Donc, ouais. On est bien. Je me sens... Ça fait bizarre. La ville, c'est mieux quand même. La ville, c'est mieux. Plus de bruit. Il y en a moins. Disons que là, si... Si vous voulez faire des courses, vous pouvez manger de la paille à côté, quoi. C'est bien aussi. Là, ici, c'est la meilleure... Vraiment, c'est la meilleure pièce de la maison. Mais je ne peux pas vous montrer, c'est gardé secret encore. Encore quelques mois. Bref, vous l'aurez compris, je vis à la campagne. Une maison qui a été refaite, qu'on a refait, qu'on doit encore continuer de travailler. J'espère que ça vous a plu, ce petit house tour. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un like, un commentaire. Faites-vous plaisir, abonnez-vous. Et n'oubliez pas, la connerie n'est jamais finie. Sur ce, c'était Malcolm et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Copain.